3, 2, hangout en direct. Ben, c'est très bien. Geneviève va nous rejoindre pour nous mettre en onde. Ben alors, c'est très bien. Et il faut considérer que Geneviève n'est pas une guitariste qui habituellement joue de la guitare. Là, c'est moi qui vais aller changer la caméra, je pense, avant qu'elle arrive ici. Et avant qu'elle nous débranche. Jean-François? Allô? Oui, monsieur. Comment ça va? Bonjour, Pierre-Charles. Est-ce que vous entendiez bien la guitare de Geneviève? Ah, est-ce qu'elle a joué? Oui, oui. Mais oui. Et puis, Pierre-Charles, tu l'as entendu très bien? Oui. Ben, c'est bon. Je reviens. Elle revient. Ah, ben là, elle est partie. Bon, elle était censée nous mettre les caméras. Mais ça fait presque un mois qu'elle pratique à tous les jours. Mais c'est comme je disais, pas une vraie guitariste, c'est celle qui s'amuse à jouer de la guitare à l'occasion. Puis elle connaît des pièces classiques très intéressantes, mais elle tenait absolument à jouer cette musique de Jingle Bell Rock. C'est un choix. C'est joli, merci Geneviève. Jingle Bell Rock. Ben, ouais, mais je donne avec les caméras, là, parce que ça. J'ai choisi laquelle. Parce que c'est moi qui. Je voulais juste dire où c'est que j'avais pris ma chanson. Ah, tu mets le fil, là? Sur Internet. Le fil de la caméra? Non, non, voilà. Donc, parle déjà. Alors, on voudrait savoir où elle a pris. Alors, vas-y, Jean-François, conte-nous des choses, ça. Conte-nous des choses. Ben non, c'est toi qui vas nous raconter des choses parce que toi, t'as, dans cette semaine, tu as fait une émission avec Pierre-Charles qui est avec nous en ce moment. Tu as parlé chez Bob. Dans les deux cas, tu as couvert des affaires que ça fait longtemps que je te harcèle. Je te harcèle. C'est-à-dire, à savoir, puis là, quand je regarde ça, puis je regarde ce que tu as mis sur le forum cette semaine, puis j'ai dit là, pas de vie sociale pour JF. Il s'en va faire un vidéo grandir parce que Richard Lane, il est en train de dire les petits gris, là, sont dans le lit avec le petit chaperon rouge, puis ils sont pas si fins que ça. Il a pas dit il y en a des fins, il y en a des pas fins. Ça n'a même pas été dans cette subtilité-là. Là. On est-tu rendu à un moment où on doit révéler certaines choses dont on se doute pas mal tous depuis longtemps parce qu'on regarde les. On les juge à leurs actions. Il y a le George Norrie de Coast to Coast qui dit la même chose aussi. Là. On les juge à leurs actions. Montre-moi donc l'autre. Ils viennent la nuit, ils violent, ils inséminent, ils posent pas la question à personne, ils interviennent. Rien de bon là-dedans. Là. Oui. Ouais, on approche de quelque chose de gros. Ben là. Un petit peu. Puis toi, Pierre-Charles,
je t'ai entendu, tu as vu aussi ce que j'ai dit à Bob. Oui, oui. Ensemble, tu es d'accord avec ce que j'ai dit à Bob. Ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit ensemble dans l'émission de radio, là, pour l'émission de radio. Disons que moi, je me vois plus comme un observateur un peu extérieur. Mm-hmm. Et j'embarque pas nécessairement dans tout ce que tu dis. Et parce que pour moi, les petits gris, c'est pas une certitude, là. C'est une. Peux-tu dire quelque chose là-dessus? Pour moi, ni l'un ni l'autre n'est une certitude, puis je sais ce que tu sous-entends dans ce que tu dis. J'aime mieux des histoires séparées venant de plein, plein de monde qui semblent corroborer la même histoire. Peut-être qu'à travers ça, il y a quelque chose de sociétal qui force tout le monde un peu à voir la même chose. À travers plusieurs continents, à travers peut-être une cinquantaine d'années, plusieurs témoins, plusieurs semblent décrire les mêmes races extraterrestres. C'est quand même assez confondant par rapport à d'autres qu'on nommera pas ce soir, qui l'ont vu un puis qui font croire à d'autres que ça existe. Fait que, il y a quelque chose là-dedans quand même de très confondant. Mais je suis d'accord avec toi, puis je l'ai dit sur le forum, pour moi, ça reste dans le domaine encore des grandes hypothèses. Quelqu'un sur le forum disait « Ah, il y a une fédération galactique, puis ils font ci, puis ils font ça, puis il y a un article 11 dans il y a un article 11. » Je ne savais même pas qu'il y en avait 11. Je ne savais pas qu'il y en avait 10 avant non plus. Fait que c'est pour moi, c'est sûr que c'est pour nous. On parle, on n'a pas besoin de le dire, mais nos phrases pourraient tous commencer par « en hypothétiquement parlant », deux points, deux, trois petits points, là, on pourrait continuer nos phrases. Pour moi, en tout cas, parce que moi, je ne suis pas un contacté, là. Fait que j'écoute, par contre, je fais ce que Bernard de Montréal a dit. Si vous n'êtes pas un contacté, mais que vous intéressez à l'ufologie, écoutez au moins ceux qui disent l'être. Il a dit ça, hein? Oui, exactement. D'ailleurs, tu nous parles de Bernard de Montréal. Sur le nouveau site, c'est-à-dire le site de l'ésotérisme expérimental, on a mis, justement, une entrevue, j'allais dire, exclusive que j'avais donnée à Bob. Avec Bernard de Montréal, des extraits de passages de conférences que Bernard nous avait dit, mais de manière très thématique. On avait des raisons précises pour faire entendre ce qu'on a fait entendre. Je vais pouvoir m'amuser ce soir à vous montrer sur le site d'ésotérisme expérimental ce que moi j'appelle le nouveau look. Là, Aleph, qui est à Québec, nous a fait en l'espace d'un mois une reconstruction du site. Et c'est vraiment formidable de voir jusqu'où on peut aller maintenant grâce à cette nouvelle performance du site d'ésotérisme expérimental. Alors, je vais tout simplement vous montrer ce en quoi consiste le nouveau look du site. Comment tu dis? En même temps, dis-nous un peu où tu t'en vas, parce que ce que tu as dit à l'émission de radio avec Pierre-Charles, l'émission était super bonne. T'es allé loin là-dedans, là. T'es allé loin. Il faut dire que je m'étais préparé en conséquence, et en plus, Bob, il s'en laisse plus passer des petites bites, comme on dit, hein. Il vérifie les choses. Il faut qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on apporte de fois en fois, et aussi avec la quantité, la multitude d'invités qu'il y a eu, il veut toujours être sûr que tout ce qu'on apporte tient la route. Si on commence à dérailler, il s'en rend compte très rapidement. Et j'étais content. Tu dérailles des fois, toi? Ben, ça peut avoir de l'air de dérailler quand on n'a pas l'ensemble du tableau. Et c'est ce que je propose à mon public, c'est suivez Glenn, vous allez avoir l'ensemble du tableau bien au complet. À 5 ans et demi, ce que j'ai rencontré comme personnage, ce sont des petits avec des grands yeux noirs. À 13 ans, c'est une autre catégorie d'êtres qui sont venus me rencontrer alors que j'étais dans la maison, ils sont passés à travers le mur. Et ça, je l'ai toujours dit, ça fait partie de la réalité de mon vécu. Était-il physiquement différent, ça? Je pense pas que tu l'as dit. Oui, totalement. Ben oui. Et la raison pour laquelle je me suis impliqué dans la diffusion de l'ésotérisme expérimental, j'ai toujours considéré qu'il fallait que ce soit à titre expérimental parce que, effectivement, ça dépend comment les gens vivent ces expériences-là. On peut pas imposer notre façon d'être, notre façon de voir les choses comme s'il n'y en avait qu'une. Tiens, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ben oui, je pense que oui. Oui, je pense bien. Mais ce que je te demandais, c'est si la seconde catégorie d'êtres que tu as rencontré était physiquement la même. La même que la première catégorie? Ouais. Ah non, pas du tout. C'est des êtres... Mais encore. C'est des êtres qui sont capables de se présenter en physique. Pas physiquement, mais en physique. C'est-à-dire par projection... sur notre écran mental, on les voit.
Et leur énergie est une énergie extrêmement, j'allais dire, spirituelle, mais pas dans le sens des religions, mais dans le sens de la démarche spirituelle qui fait évoluer l'esprit, si tu veux, ou la conscience. Le docteur Carla Turner semblait dire que les premiers que tu as rencontrés étaient d'une race qui était capable quand même d'être mystifiée, d'être capable de se représenter, à donner un exemple à un moment donné d'une madame qui disait « Ah non, vous ne me ferez pas coucher avec un autre homme, moi j'ai couché juste avec mon mari pendant 50 ans, puis là il est mort, puis là, hop, le mari mort apparaît. » Ils font bien apparaître ce qu'ils veulent, c'est des mystificateurs. Des petits menteurs, comme disait, des petites fripouilles, comme disait... Jimmy Gueux. Puis ouais. Je te nomme Jimmy Gueux parce que je l'ai mentionné sur le forum. Ce que tu mentionnes ou ce que la direction dans laquelle tu vas a amené des ennuis à bien des ufologues ou des enquêteurs ou des Carla Turner ou des Jimmy Gueux de ce monde. Cette direction-là où, quand on commence à dire des mauvaises choses sur certaines races ou espèces ou enfin d'extraterrestres, ça n'a pas l'air de plaire. Albert Bender avait un petit magazine aux États-Unis dans les débuts des années 50 et il a présenté pendant 2 ans plus que deux ans, un magazine, et à un moment donné, il dit, dans le prochain numéro, je vais vous dévoiler la réalité du phénomène extraterrestre, la vérité sur ces personnages-là. Et avant qu'il publie le fameux numéro spécial, où il dévoilait la réalité de ces êtres-là, il y a eu la visite de 3 Men in Black. Mm. Et suite à ça, il a arrêté son magazine, il a disparu de circulation ufologique pendant des années. Et plusieurs années plus tard, il a publié, non pas un magazine, mais un livre sur le phénomène extraterrestre qui parle justement de sa rencontre avec les Men in Black. Et ça, qu'est-ce que tu veux, ça a dérangé beaucoup. Et ça fait longtemps que tu n'as pas eu de visite de ce type, mais si tu adoptes ce discours-là, penses-tu que ça peut se reproduire? La chose est que depuis mars 1992, ils n'ont plus rien de ce qu'ils ont l'intention de faire, ils n'ont plus d'embûche à leur point de vue. Malgré tout, je suis, moi, branché avec l'autre catégorie d'êtres, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler des êtres de lumière ou des êtres qui bienveillants, au lieu d'être les petits malfaisants qui mènent le monde par le bout du nez, là, comme une carotte devant un âne. Et je vais laisser parler un peu Pierre-Charles. Mais attends, tu veux dire qu'ils sont tellement sûrs de leur plan, bon, là, qu'ils s'en foutent, là. Ils disent, ouais, peu importe ce qu'ils vont dire, ça ne dérange plus. De toute façon, les gens qui disent des affaires sur Internet, il y en a 500. Parce que Josh Murray dit la même chose. Là. Lui, il dit, écoute, les petits gris, c'est des petits malfaiteurs, là. Ils viennent dans la nuit, leurs intentions sont mauvaises. Il dit ça ouvertement, puis il y a des millions de gens qui l'écoutent, lui-là. Là. Exactement. C'est ça, mais c'est pas grave. À leur point de vue, il n'y a plus rien qui peut mettre des embûches dans la réalisation de leur agenda, de leur plan. Et ils se trompent, mais on verra la suite des événements. Moi, je pense que le film qui va paraître au début du mois de février là, 2015, qui s'intitule « Ascension Jupiter », c'est la fameuse phrase lapidaire qui dit « La moisson de la Terre est prête pour la récolte. » Alors, allons maintenant faire la récolte. Ouais. Parce que dans le film, la Terre est une possession de cette espèce de famille de l'Empire galactique. Là. Bon, c'est comme ça, ou... exactement. Ouais. Et puis, c'est eux qui ont implanté la vie humaine sur la Terre. Ça fait toutes sortes d'affaires. Ah oui, c'est vrai. OK. Alors, Geneviève, me dit de ne pas manger ma petite canne de Noël. C'est sûr qu'il y avait des... Non, c'est toi, c'est le bruit, là. Non, c'est pas le bruit du foyer. Je viens d'aller chercher des bûches. Juste avant d'être en onde, j'étais chercher des bûches. Remarquez qu'on a des belles bûches avec de la neige dessus. Ça va pétiller un peu plus, mais on va maintenir le feu toute la soirée. Là, c'est pas un feu de télévision. Là. Ça, c'est le feu vraiment là, du foyer de Mont-Saint-Hilaire. Tel qu'à la télévision, ils disent que ça vient de Saint-Hilaire, mais c'est le feu du foyer de chez Richard Glenn. Là. Fait que tu allais donner la parole à Pierre-Charles. Pierre-Charles, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Oui, comment tu t'es senti, toi, Pierre-Charles, dans ce dossier-là? Bien, je veux rappeler encore, en commençant à parler, par rapport à ce que Jean-François disait tantôt, là, je prends vraiment un recul par rapport à tout, même à ce que Jean-François faisait allusion. Ce soir, je me présente comme quelqu'un qui observe le tout de l'extérieur.
Alors, je ne prends pas parti pour rien en faveur ou contre. Là. Okay. J'observe le phénomène ufologique comme un phénomène de société et j'essaie de voir ce que les gens disent et j'essaie de comprendre pourquoi ils le disent. Et est-ce que ça peut avoir une influence sur la société et quel genre d'influence? Par exemple, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Les extraterrestres dans l'ère du temps ou l'esprit du temps américain. Alors, c'est un livre d'un point de vue sociologique qui étudie celui-ci, oui, étudie uniquement les contactés. On en a parlé un peu. Les contactés, en général, c'est les gens qui reçoivent des messages. Et là, j'inclus tout le monde dans le même panier. Alors, contrairement aux abductions, qui souvent sont plus négatives, quand on parle de petits gris, c'est souvent les abductions des gens qui vivent ça d'une manière très difficile. Et quand je disais tantôt que je ne suis pas certain de la réalité des enlèvements par les petits gris, c'est surtout dû au fait que les informations sur les petits gris sont souvent recueillies par l'hypnose. Et l'hypnose n'est pas, selon moi, une méthode infaillible. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Alors, si on commence à discuter ce que les abductés vivent et qu'on prend ça absolument sans aucun recul, à ce moment-là, on se retrouve comme quelqu'un qui étudierait les livres de Star Wars, puis qui parlerait de ça comme une certitude, alors que c'est juste un roman de fiction. Là. On en a de ça pourtant. Ouais, on en a. Des gens qui nous parlent de la Fédération Galactique et autres, ça il y en a. Mais je suis d'accord avec toi, je garde un recul, bien raison, bien d'accord. Mais par contre, quand même, je suis impressionné par le nombre de rapports dans cette direction-là, mais... Par rapport au nombre de rapports, je vais revenir un peu sur une remarque de Christian Comtesse qui organise les repas ufologiques en France et qui dit qu'aujourd'hui, on se retrouve souvent avec des ufologues de clavier et avec l'Internet. Ça, c'est une classification de Richard Dolan. On se retrouve avec trois périodes en ufologie. Il y a eu la période d'avant 1947, en particulier la grande vague de la fin des années 1800, les fameux dirigeables, la vague aux États-Unis. Ensuite, il y a eu les contactés des années 50, et il n'y en avait pas seulement un, on parle souvent de George Adamski, Daniel Fry, mais on peut chercher sur l'Internet, on va trouver une centaine de personnes qui se disaient contactées dans les années 50. À l'époque, les messages disaient surtout « attention », à l'arme nucléaire, c'est très dangereux, vous risquez de vous détruire, il faut arrêter ça. Ensuite, il y a une deuxième période qui est la période, disons, des années 80 à partir de Whitley Strieber et Communion. Strieber. C'est beaucoup Strieber avec Communion. Et c'est beaucoup à cause de son livre et la couverture, surtout qu'on s'est mis à entendre de plus en plus de témoignages d'être qui ressemble au fameux petit gris avec les grands yeux noirs, parce que même Strieber n'a pas vu seulement ce type d'être-là. Ouais. Et la troisième vague, si on peut dire, ou la troisième époque, c'est l'arrivée de l'Internet avec les vidéos sur YouTube et les gens qui se copient les uns les autres sur l'Internet. Donc, les témoignages ont l'air semblables parce que tout le monde copie son semblable. Alors qu'il y a aussi des cas qui sont très différents, mais ceux-là, on n'en parle pas. Si vous avez déjà remarqué, les spécialistes vont citer les cas qui conviennent à leur vision du monde, et les autres les mettent de côté. Si je prends, par exemple, Alan Hynek, les cas d'abduction, lui, il les rejetait à son époque. Il disait « Non, ça, c'est trop flyé, là, on ne parlera pas de ça. » Donc, il parlait de ce qui avait l'air du nuts and bolts, là, du matériel. Alors, quand tu regardes les rapports du Garpan, là, je suis étonné par la diversité qui revient encore. Là. On parle de celui de Saint-Zénon, le grand, l'espèce de bebelle bleue, créature bleue, une espèce de grande créature caoutchuteuse noire de 7 pieds aussi.
Puis je me rappelle des années 70, 80, là, j'avais un gros livre sur les extraterrestres et les UFO. Il y avait une panoplie d'extraterrestres là-dedans. Que c'est... Ouais, c'est ça. Oui, ben c'est sûrement, oui, effectivement. Ouais. Genre. Donc, est-ce que ça l'a arrêté complètement? Effectivement, les médias vont se sont peut-être un peu habitués à ce qui... Bon, les médias n'en parlent pas, là. Mais il y a une frange de cause to cause de ce monde, de Whitley Strieber, qui parle principalement des gris. Là. C'est un peu comme les nouvelles. Hein? On peut nous présenter seulement les mauvaises nouvelles, alors qu'il y a des bonnes nouvelles qui existent. Fait que j'ai un ami, lui, c'est les démons. Son focus, c'est les démons. Puis là, il me parle de livres d'enquêteurs qui ont trouvé des démons partout. Là, j'ai dit, c'est sûr, tu cherches des démons, tu en trouves. Puis les cas qui sont pas des démons, ben, tu ne les mettras pas dans ton livre. Là. C'est un peu ça le problème, selon moi. Là. C'est que je prends Léo Sprinkle, qui avait tout le temps des cas positifs de contacter. Puis, tu avais Jacobs, qui avait juste des cas négatifs. Puis, Marjorie, qui, lui, est chrétien, catholique, ben, chrétien, pas catholique, mais chrétien. Puis, lui, ben, c'est rien que des démons. Oui, tout est démon. En fait, démon, il faut faire une nuance. Chez Marjorie, il fait une nuance en disant que, pour lui, ce qu'on appelle le phénomène extraterrestre, ceux qui ont l'air des petits bonhommes, là, c'est des anges déchus, les fameux descendants des Néphilim. Alors que les démons, pour Marzulli, c'est les gens qui sont plutôt possédés ou influencés par des esprits maléfiques. Donc, les démons sont plutôt immatériels, mais ils influencent des gens, alors que les extraterrestres, ce qu'on appelle extraterrestres en général, ce sont des descendants des Néphilim, ce sont les anges déchus, selon les chrétiens. Et Marjorie en particulier. Donc, selon ce que tu dis, il y a une grande et forte hypothèse là-dedans que tout ça ne soit que l'inconscient collectif qui interprète peut-être quelque chose derrière tout ça. Peut-être rien, peut-être que c'est aussi les fabulations d'esprits de gens qui veulent voir des choses, qui sont influencés par les autres. Peut-être que 0.01% de gens qui voient des choses particulières, mais peut-être que c'est rien non plus. Globalement, moi, je me suis encore dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais eu de contact particulier. Bon, j'ai vu un truc dans le ciel de... chez Richard il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Ça ne m'a pas avancé beaucoup plus. Ça aurait pu être des millions de choses. Qu'est-ce que tu es en train de supposer à ce moment-là? Philippe Klass avait écrit un livre. Philippe Klass, c'était, on pourrait dire, le roi des sceptiques aux États-Unis que Richard a rencontré. Et il a écrit un livre qui s'appelait « Abductions, a Dangerous Game ». Et lui, il prétendait que c'était une espèce de psychose moderne qui était un peu comme tu dis, là. C'était soit une mauvaise interprétation d'un phénomène, peut-être, parce qu'il faut presque séparer les cas d'abduction des cas de gens qui disent « j'ai vu une lumière passer dans le ciel qui est inexplicable, qui allait trop vite, qui était anormal, etc. » ça fait une grosse différence. Et là, on en revient à la classification de Hynek, rencontre rapprochée du premier, deuxième, troisième, quatrième, et Richard va jusqu'au septième type. Alors, c'est très, très complexe, l'ufologie, là. Puis aujourd'hui, le problème, c'est que on résume ça à les petits gris, les reptiliens, puis les grands blancs. C'est un peu vite résumé, je trouve. Et comment le résumerais-tu? Parce que l'être humain a besoin de se faire systématiser un peu son univers. Comment tu systématiserais l'univers tel que tu le perçois? Je n'irais pas jusqu'à l'univers, là. Cette espèce pour de... Pour le terrien, je te parlais tantôt du livre sur les extraterrestres et le Zeitgeist américain, là. C'est qu'on a des gens, des individus, qui ont effectivement une vision du monde, ils ont une vision de comment la société devrait fonctionner et qui veulent essayer d'influencer la société et qui, semble-t-il, ont décidé de prétendre, ça c'est moi qui le dis là, de prétendre qu'ils ont rencontré des extraterrestres qui sont naturellement beaucoup plus sages que nous, qui savent ce qui est bon pour nous et qu'on devrait suivre leurs conseils. Alors ce sont des gens qui ont, comme on pourrait dire, un agenda, que ce soit les Illuminati s'ils existent ou des individus quelconques,
qui veulent faire passer un message, mais qui ont décidé qu'à notre époque, ça passe mieux de dire que j'ai reçu un message des extraterrestres que de dire que j'ai reçu un message de Dieu. Oui. Et donc, ça peut être beaucoup très psychologique, là. Donc, tu en reviens à supposer que tout ça pourrait être très psychologique. Pourrait être très psychologique. Il n'y a pas de réalité en arrière de ça. Comme les extraterrestres. Certains supputent que ça pourrait être des humains qui nous trompent derrière ça, qui nous donnent notre désir d'inconnu sous cette forme-là, mais en réalité tout à fait contrôlé par des humains de A à Z. Ça, c'est ça peut être, par exemple, l'hypothèse sur les intraterrestres qui est associée à la fameuse récupération des ovnis nazis après la guerre. Ouais. Et si on regarde, par exemple, Richard Dolan, dans son livre, qui parle de la civilisation de rupture, à ce moment-là, on pourrait avoir un groupe d'humains qui ont pris beaucoup d'avance scientifiquement sur la majorité des humains, mais qui sont entièrement humains de cette Terre. Et c'est peut-être eux qui sont derrière le phénomène OVNI. Ce qu'il appelle le « breakaway civilization », la civilisation qui s'est détachée de la nôtre. Oui, mais qui sont tout à fait terriens, là. Et est-ce qu'ils vivent d'une manière souterraine, par exemple? Richard faisait allusion dernièrement au film « La machine à explorer le temps » avec les Morlocks. Alors, il est peut-être possible qu'il y a une civilisation qui a décidé de se cacher sous la Terre, mais qui est très en avance sur nous. Et lorsqu'ils sortent de la Terre, ben on dit « Ah, c'est des intraterrestres, mais c'est peut-être juste à une certaine profondeur, mais sans être nécessairement au centre de la Terre. » Mm-hmm. Et qu'ils ont appris peut-être à se projeter ou à nous projeter les illusions qu'ils veulent bien qu'on voit, qu'on veut bien voir peut-être même. Ça, c'est, ils ont on veut voir un gris, on voit un gris. On veut voir un blond, on voit un blond. On veut voir ils peuvent un avoir bleu, une technologie un qui leur permet de faire ça, oui. Pendant les hologrammes sont déjà, dos, puis... les hologrammes sont déjà très avancés. On n'a qu'à regarder sur l'Internet, là, la nouvelle, ou en tout cas pour moi personnellement, c'est la dernière théorie que j'ai entendue. Qu'il n'y a jamais d'avions qui ont percuté le World Trade Center, que c'était toute une projection holographique. Les gens ont eu l'impression de voir un avion, puis l'explosion, ben, elle était due aux explosifs mis d'avance à l'intérieur du World Trade Center. Fait que c'est cela, on rentre dans la conspiration. Ça aussi, c'est un autre phénomène social. C'est très complexe, là. Ce que tu supposais de dire que ça pouvait être un breakaway civilization ou une manipulation humaine ou slash psychologique ou projection, ça revient un peu à ça dans le fond. Là. Il y a pas, on est tout seul dans notre univers proche, puis on est manipulé par nos prochains. Ça peut. Mais peut-être qu'il y a aussi des vrais extraterrestres. Mais comme dit Vallée, l'hypothèse extraterrestre est selon lui la moins intéressante. Vallée va aller de plus en plus vers l'hypothèse extradimensionnelle. C'est encore quelque chose qui n'est pas plus prouvé. Là. Fait que Richard Glenn, qui nous laisse parler depuis tout à l'heure, là, qui va nous arriver avec un truc de grand sage après que nous soyons mouillés à dire des choses. Non, remarque, Jean-François, c'est une démarche que moi, j'ai entrepris, forcée par les événements de ma jeunesse. Mais j'impose pas ma vérité à personne, sauf que j'écoute Pierre-Charles, je t'écoute, on écoute tous les autres, là, Streber, puis tous les autres, Richard Dolan, puis les autres, pour se rendre compte que si t'es pas toi-même contacté, si t'as pas été amené dans le vécu de l'expérience avec le phénomène extraterrestre, tu demeures un peu comme le poisson dans l'aquarium, il est resté dans son aquarium. Il faut avoir été le poisson qui est parti du pet shop, puis qu'on a amené en quelque part ailleurs, qui lui permet, lui, de dire, écoute, Honorette, j'ai vu dans mon déplacement des automobiles, des autobus, il donnera pas les termes, mais il va expliquer à d'autres poissons, lorsqu'il sera replongé dans un autre aquarium, par où il est passé entre le pet shop et puis l'aquarium qui l'a accueilli dans une maison. Nous, on vit sur une planète, la planète Terre, on est accueilli ici, on vit dans notre aquarium planétaire terrestre, mais entre ici puis d'autres places,
il y a une façon de voir la réalité de ce qu'on peut appeler la vie, l'intelligence dans l'univers, qui nous éloigne de la perception très réduite du métro-boulot-dodo, ou des patterns intellectuels qui sont très intelligents bien souvent, mais qui peuvent justement nous rendre complètement perdus. Parce que... Est-ce que tu exclues complètement notre hypothèse de tout à l'heure? Parce que non, je pense que vous tournez en rond. Je pense que vous tournez en rond et au bout de la ligne, quelqu'un qui vous écoute va dire, écoute, ils savent-tu où ça mène? Ça... Alors, vous s'en sortez. Autrefois, on disait, Dieu, c'est tout. Alors, en disant, Dieu est tout, Dieu est partout, Dieu, c'est tout, ça vient de régler le problème. Dieu, c'est l'absolu des absolus. Bon, ben, c'est beau. Ça règle le c'est problème. C'est ce qu'on disait. Pierre Charles et moi, par contre, on était dans l'hypothèse. La démarche qui permet à un être humain d'appréhender, de toucher, étape par étape, comme disait Carl Sagan dans son film Contact, pas à pas, t'arriveras à connaître les choses. Et c'est intéressant, c'est amusant d'essayer de voir comment la partie de jeu d'échecs va se terminer entre Spassky et Kasparov. Quand on est un amateur de jeu d'échecs, on regarde les deux spécialistes de jeux d'échecs jouer, puis là, bon, ben, il y en a qui sont des professeurs qui vont faire des supputations en disant, comme nous autres, on est un peu des professeurs pour l'ensemble des gens sur le phénomène extraterrestre ou l'insolite, pour leur dire, bon, ben, regardez, là, il doit y avoir ça, puis il doit y avoir ça, puis peut-être qu'il y aurait ça, et ça, ça pourrait aussi peut-être jouer avec ça, et ça, ça pourrait avoir une influence. Oui, mais ceux qui connaissent presque au même niveau le jeu d'échecs comme Spassky ou Kasparov, Kaspersky. Non, pas Kaspersky, c'est Kasparov. Puis là, tu es en train de me faire perdre le nom. Ah non, je mélange avec le... l'antivirus. C'est ça. Bon, alors, c'est des gens qui ont atteint un certain niveau de compétence dans le domaine du phénomène extraterrestre. Si je te dis que Wernher von Braun est monté à bord de soucoupe volante, dans certains appareils, il y avait 700-800 personnes. Dans ça, il y avait beaucoup d'humains, mais il y avait beaucoup d'êtres qui sont venus de d'autres mondes et en plus, qui ont été instruits de certaines sciences. Alors, Wernher von Braun, qui est un des créateurs de la fusée F1, de la V1, V2, puis après ça, aux États-Unis, là, les Saturn V qui ont mis les astronautes américains sur la Lune. Vois-tu, tous les deux, là, je vous prends à témoin. Là. Savez-vous que cette semaine, un événement qui implique le phénomène extraterrestre de portée mondiale s'est produit? Et après, je vais vous expliquer, je vais vous défaire le fil d'Ariane un petit peu. Là. Mais juste un petit point sur Von Braun. Là. Tu sais que c'était un nazi avoué jusqu'à la fin de ses jours, hein, en passant comme ça. Ben, écoute, il travaillait pour le 4e Reich. Mm-hmm. Mais même aux États-Unis, il se disait encore nazi. Comment tu me dis? Même quand il était aux États-Unis, il se disait encore nazi à ses collaborateurs. Est-ce que les Américains ne sont pas le 3e Reich sous Adolf Hitler et le 4e Reich avec le Pentagone? Ils sont carrément, en tout cas, quand tu regardes ça, là, ils sont carrément un empire qui refuse absolument de se migrer dans une mouvance mondiale. Ils sont en poids livre, ils sont en miles, ils sont pas en kilomètres, ils ont des sports différents. Ils sont une bulle à part dans tout le monde, à tous les niveaux. De qui tu parles? Les États-Unis. Et c'est dans peu de temps que le dollar américain va perdre la primauté sur toutes les valeurs monétaires à travers le monde. Là. C'est peut-être la dernière chose qui leur reste. Même pas. Ouais. Et donc, tu disais, il y a un événement que tu veux nous dire qui fait partie du fil d'Ariane, de la conversation que tu as suivie cette semaine, qui s'est passé cette semaine, qui était très important. Qu'était-ce? À toi, Pierre-Charles, l'as-tu vu? En rapport avec le phénomène extraterrestre. En rapport. Bon. Et surtout... Pas certain, là. Et surtout en rapport avec le fait que les extraterrestres bienveillants sont de plus en plus actifs et présents. On avait dit qu'à Copenhague était arrivé l'ultimatum. Vous devez faire selon un agenda qu'on a préparé pour vous, avec des influences, avec des connexions, avec des humains compétents, changer le cours négatif du monde.
Ils ne l'ont pas fait, les autorités. Ils ont eu peur, ils ont eu des problèmes d'égo, ils ont eu des problèmes de d'avoir, je sais pas moi, il y a des choses qui sont en coulisses qui font que les autorités ont préféré aller dans le même sens que ce qui était toujours le scénario. C'est-à-dire Ils ont préféré écouter tout leur petit groupe de pression interne, les anti-environnementalistes, le panneau qu'on a vu sur ici en Anjou, là, qui indiquait que les changements climatiques n'étaient pas le fait de l'effet humain sur la planète, c'était le fait du soleil. Oui. C'était même pas un groupe scientifique. Bref. Ils ont choisi d'écouter ces gens-là. Alors toi, Pierre-Charles, t'as pas vu l'événement majeur qui s'est passé cette semaine, qui est historique, qui va être rapporté dans l'histoire de l'ufologie lorsqu'on sera réveillé à certains scénarios qui sont là. Peut-être que je l'ai vu, mais que c'est ton interprétation qui le relie à l'ufologie, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est facile d'en rire, et c'est ça le problème des ufologues. C'est que les gens qui ne connaissent pas le monde de l'intérieur de cette réalité-là, lorsque des choses se passent, Geneviève qui vit avec moi maintenant, assez de quelle façon je suis branché sur le phénomène extraterrestre, ça peut être quand je conduis mon automobile qu'à un moment donné, elle dit « Hey, whoop, là, t'es plus là, là, t'es en train de… » Ben oui, parce que il y a un CNN international qui provient du monde extraterrestre et qui nous envoie des informations, des images, et qui nous tiennent en rapport ou en contact avec la réalité. Alors, c'est à un autre niveau. Toi-même, Jean-François, qui fais des arts martiaux, tu es capable de détecter à quelques instants, à quelques secondes d'opération, quelqu'un qui est vraiment compétent, un maître dans un art martial, tu le vois tout de suite à son comportement, à son regard. Même oui, c'est ça. Alors que le néophyte qui regarde, il ne verra pas des différences vraiment. Il va tout mettre dans le même panier, puis il va tout mélanger, puis pour lui, il va sortir de là sans avoir saisi le filon qui aurait pu l'éduquer. Je lisais dans un journal local cette semaine que, comment il s'appelle, le Charbonneau, là, qui était un des députés du Parti québécois. Non, tu m'en as parlé ce matin, ouais, qui a dit, c'est quoi la citation qu'il a donnée sur l'éducation, là? Il dit, quand tu veux apprendre quelque chose avec précision, enseigne-le. C'est joli, ça, d'ailleurs. Oui. Quand tu deviens un enseignant, c'est là que tu apprends les détails. Parce que pour le transmettre, il faut que tu ailles dans les détails pour être sûr que l'élève va comprendre. Alors, il dit que c'est un enseignement qu'il a reçu d'Asiatique, qui lui enseignait le Tai Chi, et qui lui disait, le jour où tu voudras vraiment perfectionner ton art, va l'enseigner. Toi-même, Jean-François, maintenant, tu enseignes toi-même dans les cours d'autodéfense des femmes à Montréal, tu dois t'apercevoir que depuis que tu l'enseignes, tu as comme gravi des marches énormément en te disant, je le voyais pas comme ça, mais maintenant, je suis obligé de le présenter à d'autres. Je suis obligé de dire que maintenant, j'apprends. En l'enseignant, j'apprends. D'accord? C'est valable, selon moi. Mais, moi, j'ai étudié en cinéma et on avait une espèce de petite joke, nous autres, les étudiants en cinéma. On disait, quand tu n'es pas capable de faire du cinéma, tu l'enseignes. Peut-être pas tout à fait la même chose. Oui, non, c'est ça. Non, dans les arts martiaux, tu n'as pas le choix. Tu ne sais pas le faire. Quoi qu'il y en a, oui, tu as raison, ça peut arriver. Mais nous digressons, comme ils disent en anglais. Donc, Charles Glenn, admettons que, bon, oui, alors, effectivement, écoute, tu discernes ce que nous n'avons pas discerné. Non, alors, écoute. Jean-Pierre Charbonneau. Oui, c'est Jean-Pierre Charbonneau qui avait dit ça, justement, que le Tai Chi, c'est quand il a commencé à l'enseigner, qu'il a vraiment commencé à découvrir les détails, la perfection de cet art-là, qui ne peut pas être seulement comme tes élèves. Quand tu es élève, tu prends, t'en oublies, t'en perds des bouts. C'est seulement quand tu es obligé d'enseigner que là, tu es obligé de tout mettre les morceaux ensemble pour être sûr de ne pas manquer et que l'élève va, lui, attraper des morceaux à son tour. Et c'est quand tu l'enseigneras à son tour que lui aussi va remettre tous les morceaux ensemble. Alors, ça fait 40 ans que j'enseigne l'ésotérisme au public. J'ai pris des années à interviewer des gens, comme Bob fait présentement. Il interview. Mais son cheminement l'approfondit lentement. Ça lui permet, et puis vous écouterez le vidéo qu'il a mis disponible à tout le monde de son intervention sur l'état de son émission qu'il fait en France. Il y a plein de choses qui vont changer en 2015. Il a expérimenté plein d'avenues
Et à un moment donné, ils réalisent qu'il y avait une perte d'énergie, beaucoup mettre pour peu de retour. Et de la même façon, nous, avec l'ésotérisme expérimental, on a suivi une piste, on a graduellement apporté de l'information. Là, avec la mission de radio que je fais pour CJLV, ça me permet de mettre le doigt sur le point sur les i puis les barres sur les t. Et Gilles Surprenant qui ajoute les compléments surprenants qui sont indispensables à la meilleure compréhension de ce qui s'en vient. Parce que là, je peux vous dire qu'on donne de la grosse matière, c'est pas juste en surface. Et là, ce soir, au Vidéorandia, ben, je vous amène sur une piste. Comme je peux voir, vous ne l'avez pas vu passer. Pourtant, c'est un moment historique qui s'est produit cette semaine. Attends, je te dis ce que j'ai dit au début. Vous allez tout de suite débouler rapidement. Alors, prenez le temps de prendre un recul. Go. La dernière fois, d'ailleurs, Pierre Charles en a parlé tantôt, il dit dans les années 50, les contactés, ils sont très nombreux. Il n'y avait pas seulement Georges Oranski. Ils étaient très nombreux à avoir des messages de paix, de réconciliation, d'arrêter d'utiliser l'arme nucléaire. C'était le grand message du phénomène OVNI de ces années-là. Après les années 40, qui depuis 47, 48, 49, 50, c'était des petits gris qu'on avait attrapés à Roswell. C'était des petits êtres malins. Et dans les coulisses de Washington, alors qu'il y a eu le carrousel de Washington à la fin du mois de juillet 1952, plusieurs nuits de suite, des ovnis, des escadrilles d'ovnis sont passées et ils ont envoyé des avions de chasse et dès que les avions de chasse arrivaient, les ovnis disparaissaient à toute vitesse. Il y a eu des ambassadeurs, il y a eu le fameux cas là, de... Iron Mountain. Comment? Oui, Iron Mountain. Ça, c'est Iron Mountain au début des années 60 avec John F. Kennedy parce que le président des États-Unis des années 50, c'est Eisenhower. Un général 5 étoiles militaire qui était là pour aider le peuple américain à transiger de manière militaire avec l'intervention de ces petits êtres-là, grosses têtes, grands yeux noirs, qui viennent de l'intérieur de la Terre et qui avaient l'intention de prendre le contrôle du peuple américain. Et c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont promis aux Américains de l'armement pour dominer sur toutes les nations ce qu'ils avaient promis aux Allemands d'Hitler avant. Et il faut se rendre compte que la ruse continue. Et si on accepte l'historique, il ne faut pas oublier Valiantor, bon, 57, oui. Alors, qui a fait des propositions au gouvernement. Ça peut être vrai comme faux, là, mais... Bon, alors c'était un des ambassadeurs bienveillants et qui ressemble à des... Et quand moi j'ai rencontré des petits, on m'a fait vivre des expériences étranges, mais après ça, j'ai rencontré l'autre catégorie d'êtres qui sont bienveillants et qui m'ont dit « Attention, il y a trois côtés à une médaille. » Il y a côté face, il y a côté pile, puis il y a la tranche sur laquelle la monnaie va rouler. Alors, sur l'autre face, on nous apprend que l'être humain a une conscience, a une âme, a un esprit. Il y a des choses à prendre en considération qui sont particulières. Il ne faut pas, justement, comme à Noël, qu'on va vivre bientôt, penser qu'au cadeau matériel, avoir de l'armement, avoir la plus grosse carabine, la plus grosse Kalachnikov, avoir des rayons laser qui vont être tueurs, avoir des méthodes pour pouvoir dominer sur toutes les nations par la peur, en dominant par la force. Alors qu'il faut arriver à, non pas essayer de dominer, mais partager l'énergie. Et ces êtres bienveillants ont cette mentalité-là. Et là, quand Kennedy a remplacé Eisenhower, puis on rappelle qu'Eisenhower, juste avant de quitter la Maison-Blanche, alors qu'il était encore président des États-Unis, a dit, il a déclaré, faites attention, peuple américain, on est maintenant aux prises avec des énergies et des forces qui nous dépassent de beaucoup, et c'est le complexe militaro-industriel qui veut prendre le contrôle sur le peuple. Et on va perdre nos libertés. John F. Kennedy, avant de se faire tuer, deux semaines avant de se faire tuer à Dallas, il a répété la même chose. Il y a des autorités occultes qui veulent prendre le contrôle du gouvernement américain pour vous priver de vos libertés de citoyens, qui veulent prendre le contrôle par la force et qui vont vous imposer un état d'être, un état de choses, qui vont vous maintenir dans la peur, dans l'ignorance. Et oui. Alors, il a provoqué une réunion qu'on appelle le Iron Mountain Report, qui est apparue à la fin, où des êtres triés sur le volet, que ce soit des scientifiques, des journalistes, des médecins, un militaire,
il était 12 à rencontrer un être bienveillant extraterrestre qui était venu essayer de régler des problèmes terrestres en disant « Votre société, on va vous donner comment des moyens puis un agenda pour vous montrer comment vous pouvez vous départir de l'emprise militaro-industrielle. Et vous allez passer d'une société de guerre, une économie de guerre basée sur la guerre, à une économie de paix. Et ça, ça veut dire un chambardement complet de la politique monétaire internationale. Okay. » Et on a tué Kennedy. Mm-hmm. On a présenté un faux rapport à Iron Mountain, d'abord. Et après, avec le temps, le vrai rapport a fini par apparaître, en disant « La guerre est un mal nécessaire, et puis la paix est quelque chose d'indésirable pour maintenir l'économie américaine. » Tel est exactement les préceptes de ce peuple-là, de ce gouvernement-là qui vient de Washington, qui est aux États-Unis. Mais il y en aurait tellement de choses à dire là-dessus. Alors, je reviens à l'événement qui vient de se passer, qui est une portée mondiale et qui est en rapport avec le phénomène extraterrestre. À l'époque de Kennedy, on est arrivé proche d'un affrontement nucléaire entre la Russie les États-Unis, la Russie, avec l'instauration et l'implantation de missiles intercontinentaux, mais basés à Cuba. Et que le rapprochement de Cuba. Pesant sur un bouton, pouf, c'était pour sauter en dedans de 15 secondes. C'était une affaire très rapide qui aurait pu mal dégénérer. Et là, il est arrivé l'intervention du pape de l'époque, qui était Jean XXIII. Qui, Jean XXIII, il faut le savoir, avait reçu la visite de Georges Adamski. Georges Adamski, qui était allé au Vatican, qui lui avait été amené à bord de soucoupe volante, des êtres bienveillants, qui l'avait amené sur la face cachée de la Lune, qui l'avait amené, qui avait passé des messages « Désarmez-vous, dénucléarisez-vous ». Et il avait même apporté avec lui, dans une petite bouteille, un médicament pour soigner Jean XXIII, Angelo Roncalli. Et lorsque... Vous savez l'histoire qu'Angelo Roncalli, le pape là, du Vatican II, là, ont fait un concile écuménique là, pour réunir tous les peuples de la Terre, divisés dans des religions, alors que les religions devraient relier tous les humains ensemble avec la conscience de Dieu. Ben, ce Jean XXIII-là était gravement malade durant le concile écuménique. Et là, Adamski est arrivé avec sa petite bouteille en lui disant « Prenez cela, ça va vous soigner ». Et finalement, il semblerait que le pape n'a pas voulu le prendre. Et on lui a donné une médaille en souvenir de son passage à rencontrer le pape Jean XXIII. Tout ça est un fait réel. Tout ça est un fait que les médias, c'est pas CNN qui va vous confirmer tout ça, là. Ça se fait de façon très subtile. C'est des bribes d'informations qui transparaissent. Et cette semaine, tout le monde le sait maintenant, vous avez tous compris, le pape François a travaillé pour qu'il y ait un retour pathétique et sympathique entre les Américains et Cuba. Et le même jour, à la même heure, le président de Cuba, Raúl Castro, le frère de Fidel Castro, et Obama, à la même heure, un bon midi cette semaine, je pense que c'est mercredi midi, devant son peuple aux États-Unis, a dit un énoncé bien important. Nous allons rétablir on va lever l'embargo contre Cuba. Et Raúl Castro, à Cuba, en espagnol, le disait à son peuple, les Américains vont lever l'embargo qu'ils ont créé contre nous depuis le début des années 60. Alors, il y a quelque chose de majeur qui vient de se produire. Ce pape François, on comprendra pourquoi il veut pas prendre le nom de François Ier. Il fait juste s'appeler François, parce que probablement c'est lui le dernier pape de l'Église catholique. Et après, avec l'arrivée d'êtres extraterrestres bienveillants, comme j'ai toujours dit, vous verrez l'évolution de notre société qui est entre bonnes mains. Tiens, si vous regardez un peu la page d'accueil de mon site d'ésotérisme expérimental, ça s'intitule pour le mois prochain « On a terminé le tour du jardin ». On a fait le tour du jardin, en effet. J'aimerais vous le présenter un petit peu, ce site-là que Aleph nous a développé. En haut, ce qu'on appelle l'entête, qu'on ne voit pas présentement. Je vais monter un peu la caméra que vous puissiez le voir. Mais comment tu as fait le lien avec les extraterrestres, puis Cuba, puis tout ça? Ce n'est pas parce que le pape s'est impliqué. Le pape a des raisons de s'impliquer là-dedans sans que ce soit... Attends un peu, je peux voir ce qu'on voit, non?
pour voir si on voit l'image jusqu'en haut. Oui, bon, non, ça va être parfait. Puis en passant, comme j'avais dit, je l'ai peut-être vu l'événement sans faire le lien extraterrestre. On peut le prouver en allant sur ton forum. Le 19, j'ai mis l'information sur la détente entre Cuba et les États-Unis. Donc, oui. Je l'ai vu passer, mais je ne savais pas qu'il y avait un lien avec les extraterrestres. Bon, de la même manière, qu'il y, a eu un lien avec le pape, Jean XXIII, et l'arrêt de la menace entre la Russie et les États-Unis à l'époque de la crise de Cuba. C'est Jean XXIII qui a aidé à solutionner cet affrontement évident là, qui s'en venait. Alors là, maintenant, il y a quand même un lien, par exemple, que je n'avais pas fait, entre encore une fois une espèce de guerre froide qui s'installe entre les États-Unis et la Russie. Et de cette fois-ci, au lieu d'avoir une division avec Cuba, il y a un rapprochement. Il peut y avoir quelque chose là-dedans, mais là, je n'y vois pas une opération extraterrestre pour autant, à moins que tu saches des choses que tu ne nous as pas dit. Là. Ben oui, ben écoute, on sait une chose, c'est que Jean XXIII, Angelo Roncalli, avait des rencontres avec des extraterrestres, il en a eu quelques-unes, dans les jardins de Castel Gandolfo. Là où actuellement est installé Benoît XVI, Ratzinger. Mais le monde est entre bonnes mains, malgré toutes les menaces, malgré toutes les tractations qui se font. Et je pourrais même aller plus loin en te disant que Poutine et la Russie préparent quelque chose de spécial. Mais c'est pas ce que vous pouvez imaginer, c'est pas une guerre, c'est le contraire. Et ça, c'est pas évident pour nous autres qui sommes brainwashés par les Américains qui ont toujours raison, qui sont toujours les meilleurs, qui sont toujours les plus forts. Il y a des choses qui vont basculer dans notre monde. Et tout ça, il faut le regarder maintenant avec un autre regard que celui de la propagande dans laquelle on a été piégé. Je vous disais tantôt Hitler, Troisième Reich, et là tu m'as dit oui, mais... comment il s'appelait là? Werner von Braun, c'était un nazi inconditionnel. Oui, mais qui dit nazi avec Hitler sous le Troisième Reich, dit peut-être nazi au Quatrième Reich avec les Américains. Ce que je dis là est gros, mais il faut savoir que l'hégémonie... Je ne suis pas le premier à le dire. Moi, je ne suis pas le premier à le dire. Et cette hégémonie qui s'en allait vers les Américains était pour Hitler... Puis j'en ai parlé à Bob, j'ai expliqué des choses. Et puis, il faut falloir être bien protégé pour continuer à aller dans cette piste-là, je peux te dire. Parce que là, on touche à des choses très sensibles ici en Amérique. Tu sais, c'est un peu, pensez pas qu'on a la liberté d'expression totale. Hein. Il faut parler comme le système veut qu'on parle. D'ailleurs, tu as vu, dans l'optique de ça, là, de faire passer les autres pour les gros méchants, le dirigeant nord-coréen, qui n'est pas un enfant de cœur, on s'entend, là, c'est un fiefé imbécile s'il en est, on lui a mis sur le dos l'attaque contre le Sony, puis oui. Obama a dit, on va se venger, vous allez voir, vous ne saurez pas quand ça va venir, mais ça va venir. Puis lui, il dit, ben non, c'est pas nous, puis on vous invite à venir voir toutes nos installations, on n'a rien fait, c'est pas nous. Pardon, c'est comme Saddam Hussein qui avait des armes de destruction massive. Ouais. C'est comme en Libye... c'était Kadhafi là, qui était dangereux alors que son peuple avait l'hôpital gratuit, l'enseignement gratuit, et il avait accumulé suffisamment d'or dans ses trésors, Kadhafi, pour pouvoir créer une nouvelle monnaie qui aurait été la monnaie pan-africaine. Le monde et nous, au Québec, sommes plongés dans une propagande qui nous empêche de savoir les autres côtés de la médaille. Et comme je vous dis, il n'y a pas seulement le côté face et le côté pile, il y a un côté très, très fin, très ténu, sur lequel l'argent roule. C'est la tranche, et ça roule. Et l'important, de toute façon, des gens du petit peuple, maintenant, reçoivent les encouragements, les appuis, les protections, l'information, de ce qui est en train de se développer, et c'est l'agenda de notre planète. L'agenda malveillant, dirigé par des forces occultes qui ont toujours promis des cadeaux. Et vous savez l'histoire de Faust, je veux la jeunesse, je veux quoi? La richesse. Là, on approche du jour de l'an où les gens vont faire un vœu pour la fin de l'année. On est à deux jours où on est avec l'époque de Noël,
et les gens se donnent des cadeaux matériels. Je veux dire que bien souvent, les meilleurs cadeaux, les plus beaux cadeaux, c'est ceux où il y a des réconciliations qui se font, où il y a la paix qui revient dans les relations entre les humains. Et ça, c'est bien plus important que toutes les bebelles que les gens peuvent se donner. Alors, il faut repenser un peu nos valeurs et remettre de l'ordre. J'ai fait des conférences cet automne sur l'ordre. Et là, l'an prochain, celle qui s'en vient en 2015, on va parler de la structure d'un jardin et comment les plantes peuvent bien pousser dans un jardin. Là, on a fait le tour, je vous montre le poster. On a fait le tour du jardin. Ça va être le début de notre année 2015. J'ai un invité extrêmement intéressant qui s'appelle M. Jean-Michel Raoult, le retour des planificateurs invisibles pour le dimanche 4 janvier. Et on est à Québec le vendredi 2 janvier. Le lendemain, jour de l'an, c'est le public de Québec qui m'a dit « On veut se rencontrer le lendemain du jour de l'an, les parties sont finies, puis on veut garder le contact. » Puis d'ailleurs, c'est le temps des fêtes pour rencontrer des amis. Mais quand on va aux conférences de Glenn, ceux qui viennent, ce sont des amis, des gens qui se côtoient régulièrement, puis c'est le fun de se retrouver à l'époque des fêtes. Donc, le 2 janvier à Québec, à l'Université Laval à 7h30 le soir. Et le dimanche qui suivra, ce sera le dimanche qui suit le premier vendredi du mois, comme à tous les mois, ce sera à Montréal, au Cégep de Maisonneuve, tout l'après-midi, avec Jean-Michel Raoult. Et vous aurez l'occasion d'avoir une vidéo qui va être diffusée ici, sur le site des ésotérismes expérimentaux, qui dure une heure, et il va être seulement disponible là. Ce n'est pas sur YouTube, il fait partie de l'information un peu limitée. Les gens qui veulent se le procurer peuvent l'acheter en France. On va vous donner l'adresse si ça vous intéresse. Mais seulement pendant 24 heures. Alors, je vous le dis maintenant, préparez-vous, ça va se faire un petit peu avant les conférences, là, pour que vous sachiez de quoi on parle. C'est possible que ce soit dans la journée du samedi, qui va précéder la conférence du dimanche 4, avec Jean-Michel Raoult. Seulement le vendredi soir et le samedi dans la journée jusqu'au Vidéorandia, et on l'enlèvera à partir de là. On m'a donné la permission de vous le rendre disponible. Ça dure une heure, c'est très intéressant pour comprendre un peu l'intervention de ce monsieur Jean-Michel Raoult. Je répète le titre, « Le retour des planificateurs invisibles ». Évidemment, on le reçoit par Skype. Là, tiens, on retourne là-dessus, Geneviève, je vais montrer le site tel qu'il a été fabriqué par Aleph. Alors, on a en haut complètement... on voit nouveautés, École Jedi, Club Créé, conférences, forums. Ça, c'est l'entête qui demeure toujours. Ensuite, vous avez le logo qui tourne et qui ressemble comme étrangement au symbole des humites, des êtres extraterrestres qui ressemblent à des êtres humains, ésotérisme expérimental et expérientiel. En dessous, vous aurez toujours la publicité pour la conférence qui s'en vient, parce que les gens qui ne savent pas, c'est que les conférences ont une piste. On suit un cheminement très précis. C'est pas du au passage qu'est-ce qui passe. Non, non. Il y a un objectif précis. À côté, on aura toujours la publicité du Vidéorandia de la semaine. En dessous, il y a la bande rouge qui est pour les grandes occasions. Oui, merci Geneviève, on le voit bien avec ton... Oui, c'est ça, on ne le voit pas très très rouge, là, mais il est là. Ensuite, un peu plus bas, on appelle ça des tuiles. Alors, les tuiles que vous voyez, les 5 tuiles qui permettent d'aller chercher l'information rapidement. La grosse face de Richard Glenn, là, Facebook, ça va avec le mot face Facebook. Les émissions hebdomadaires de CJLV et le Vidéorandia qu'on vient de faire se retrouvera toujours dans la deuxième tuile. Le forum qui est très, très utile et très, très important. Les gens de tout acabit écrivent des choses. On voit qu'il y a une piste qui est fort intéressante. On voit que des gens ont des intérêts multiples et tout le monde peut y participer. Alors ça, c'est le forum Orandia. Ensuite, RGBDM, BDM, ça veut dire Bernard de Montréal, avec aussi RG et BTLV, Bob, toute la vérité. Et ensuite, ben, le canal Orandia sur lequel on retrouve Orandia TV. Qui se trouve à être là où on fait tout ce qui se passe en direct, et puis après ça, c'est disponible. Alors, je vais aller maintenant vous montrer rapidement la tuile qui est ici, la tuile des émissions hebdomadaires, et on retrouve le Vidéorandia dans la colonne de gauche, dans la colonne de droite, avec le petit lecteur, toutes les émissions de radio
qui sont faites toutes les semaines. Vous les avez dès le vendredi matin, alors que l'émission est diffusée sur les ondes de CJLV 1570 AM, Radio Mieux-Être, le soir à 18h le soir et en reprise le lendemain samedi à 22h. Alors, tout est indiqué là. Et évidemment, les vidéos rendues, ben là, il y a les liens qui vous donneront accès au MP3. Et puis, il y a aussi, surtout, les compléments surprenants de Gilles Surprenant. Ça, c'est ouais. Juste... Pardon? Juste pour appuyer ce que tu disais, d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche rapide sur le... J'avais pas vu dans les... ou entendu, moi, je regarde pas la télé, mais j'ai pas entendu dans les nouvelles l'implication du pape dans les événements. Puis The Guardian, qui est un journal britannique, si je ne m'abuse, disent The Pope Francis Stardust worked over Cuba. La magie du pape français a fonctionné. Stardust, hein? Expression intéressante dans le contexte. Could it work with ISIS and the Taliban? Qu'est-ce que ça pourrait marcher avec ISIS et les Talibans? Je te jure qu'il y a des choses importantes qui vont changer sur la planète. Et puis, il fallait que ça se produise avant la fin de 2014. Et 2015 va être traité sous un autre aspect pour le monde. L'agenda de la cabale, là, des méchants, là, l'ombre, les Illuminati, appelons-les comme on veut, alors qu'eux se sont fait promettre des beaux cadeaux matériels, des belles carabines, des belles fusées, des beaux gadgets militaires. Qu'est-ce que tu veux? J'ai trop froid. Ah bon, je ne viens rendu là. Parce que toute l'entrée d'air de froid passe juste où ce que ben, je ferme la porte. Ben, une fenêtre qui est ouverte juste ici en arrière. J'aurais aimé ça rester un petit peu. Ben, c'est parce qu'il faut que tu changes les caméras. Ah, je vous aurais mis sur l'automatique. Oui. Ben, ferme la porte, tu vas avoir plus chaud. Bon, on va fermer la porte. Bon, on est bien. Là, maintenant, je vais vous montrer RG avec BDN, parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est produit là, là. Alors, vous le voyez ici, là. Voyez-vous ma main apparaître là-dessus? Vous voyez la petite main? Bon. Alors, dans la page RG avec BDM, entre autres, ici, je vous le recommande d'aller écouter ici, sur le curseur, la fameuse entrevue que j'ai accordée à Bob en présentant Bernard de Montréal aux Français de BTLV. Et j'ai toujours l'autorisation de présenter ce que je fais avec Bob sur notre site. C'est l'entente qu'on a ensemble. Et ensuite, il y a toutes les entrevues que j'ai accordées à Bob depuis les débuts de Bob. Alors, c'est une... Puis en Bob, vous avez le lien pour aller retrouver le site de Bob. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent aussi chez Bob. Je vous recommande d'aller regarder le vidéo qu'il a mis en onde, qui nous permet de voir que Bob aussi comprend que la démarche à travers l'Internet, il faut l'ajuster pour être de plus en plus précis. Pas s'éparpiller comme si on veut être une grosse station de télévision, de radio, avoir un éventail très vaste. Non, non, on est dans un monde très sélectif avec Internet. Ce qui nous intéresse, on va le chercher là. Les choses d'à côté, c'est pas ce qui nous intéresse, ben, on les laisse à d'autres. Alors, chacun devient spécialisé, j'allais dire hyper spécialisé. Dans ma démarche à ésotérisme expérimental, c'est sûr que le phénomène extraterrestre a une place prépondérante puisque c'est le pont entre notre réalité physique, sociale, matérielle et le monde plus évanescent du cosmos, le monde spirituel, des formes pensées, etc. Mais on touchait à d'autres aspects. Moi, j'ai développé ce qu'on appelle l'école Jedi et mon collaborateur qui est proche dans les vidéos Randia, c'est Jean-François Poulain qui enseigne des arts martiaux. Il est venu sur une émission bien expliquer ça. C'est quoi la philosophie qui va derrière les arts martiaux? On appelle ça des arts. Je te remercie beaucoup, Jean-François, parce que ça a été très convaincant et ça a été très, très clair. Pardon? C'était sincère. Ah ben oui, c'est définitif. D'ailleurs, je n'ai que des gens sincères. Pierre Charles, qui a participé à l'émission spéciale qu'on a faite sur les phénomènes extraterrestres, deux émissions. La première qui était les malveillants, les petits gris, les gros yeux noirs, et la prochaine que vous verrez la semaine prochaine, qui est déjà toute montée, et qui est les bienveillants. Alors, on présente deux côtés de la médaille, mais la troisième, la tranche, c'est celle qui fait avancer les choses. Si vous vous intéressez à un côté, vous tombez dans un piège. Si vous laissez de l'autre côté, vous tombez dans l'autre piège. Il faut être sur la tranche pour faire circuler, pour faire avancer, pour faire le plan de la vie. Et c'est cette tranche qui est très, très étroite, très ténue. Quand on dit le pape François est un émissaire du phénomène extraterrestre bienveillant,
Il a reçu ses rencontres, il a reçu les informations, il a agi en conséquence et voyez les résultats se manifestent très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le contre-coup, la réaction des forces de l'ombre pour venir éteindre, pour venir nuire, pour venir mettre des entraves. Et je peux te dire que le temps est bien choisi puisque le président américain est un président qui n'a plus rien à gagner. Et plus rien, ben peut-être à perdre. Rien à perdre plutôt, oui. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y aura pas d'autres élections. Il est là, pour rester. Et quand ça va être fini, son mandat, c'est le dernier. Et il n'a pas à essayer de gagner des prochaines élections. Ça sera probablement. Il est là pour faire son nom. Pardon? Il est là pour se faire un nom dans l'histoire. Oui, si on veut se faire un nom, oui, c'est intéressant que tu dises ça. Mais en fait, il veut faire l'histoire. C'est pas faire un nom pour avoir son nom qui apparaît bien, mais faire l'histoire. Et ça, c'est très important, de ne pas avoir l'impression que quand il est passé sur Terre avec le rôle peut-être un des plus importants au monde, celui de... Attends un peu, je le sens que la chaleur disparaît, c'est parce qu'il faut que je rajoute des bûches. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça avec le pape et tout le reste? Pierre-Charles? C'est sûr que le pape, c'est intéressant de voir qu'il s'implique et qu'on le voit au premier plan, quoique, effectivement, il a fallu chercher un petit peu, parce que ça s'est fait d'une manière un peu secrète, cette implication-là, y compris le Canada, d'ailleurs. Moi, j'ai vu l'article, ce que j'ai mis sur le forum, c'est un article qui vient de Radio Vatican, et on parle aussi de l'implication du Canada, mais c'est comme pas tellement mis de l'avant, là. L'important de ce qu'on regarde là-dedans, c'est le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Je pense que la pensée « aimez-vous les uns les autres », surtout dans le temps des fêtes, que ça vienne du pape, pour moi, c'est rien de surprenant. Je peux même pas prétendre que ça vient des extraterrestres. Là. Moi, je peux pas faire cette prétention-là. Est-ce que tu es d'accord que Jean 23 avait eu des rencontres dans les jardin de Castel Gandolfo avec un phénomène extraterrestre bienveillant et que c'est peut-être ce qui lui a permis d'avoir l'aide, l'appui d'en haut, céleste, pour pouvoir arriver avec la pression qu'il a mis pour éviter l'affrontement entre la Russie et les États-Unis lors de la crise de Cuba. Je pense que tout humain normal est en faveur de la paix et que j'espère qu'on n'a pas besoin d'intervention extraterrestre pour souhaiter la paix sur Terre, là. Mais je nie pas la possibilité d'influence extraterrestre. Pour ceux qui n'ont pas écouté notre émission de radio, là, c'est évident qu'il y a des gens dans notre société qui peuvent être influencés. Puis même quand je dis c'est évident, là, je m'avance déjà trop, là. Je viens de perdre mon recul. Oui, écoute, Richard, on peut se permettre de faire des hypothèses, puis pas complètement tout le temps faire des Christian Page de nous, puis toujours avoir un pas de recul tellement loin qu'on est dans la rue d'à côté. Je veux dire, on est en train de parler avec Richard Glenn qui a fait de l'ésotérisme pendant 30 ans sur le câble. On peut se permettre d'être un peu fucké dans notre façon de parler, là, quand même. Les politiques corrects, ils ont plus leur place dans notre monde où il faut prendre des actions rapides, radicales, et il faut pas mettre de l'ego là-dedans en disant qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me montre en Père Noël en bobette en train de nettoyer sa neige avec une tique de Père Noël dans la tête. Parce que justement, si tu as une espèce de recul continuel à te dire qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres... Non, fais ce que tu dois. Oui. Ça, bon. C'est très important. Penser à l'action pour moi. Oui. Tu sais, tantôt, on parlait d'ufologue, de contacté, de témoin. C'est toutes des catégories différentes. Et effectivement, comme toi, Richard, tu as vécu, en tout cas, c'est ce que tu dis, directement avec le phénomène. Ouais. L'ufologue, en général, rarement a vécu lui-même. Il ne fait que recueillir les témoignages de gens qui disent avoir vécu quelque chose. Et dans notre société, moi, c'est sûr que je vais toujours pousser puis mettre de l'avant les gens qui passent à l'action. Puis c'est pour ça que je dis, j'espère que l'humain est capable de souhaiter la paix, de travailler pour la paix
pour l'harmonie mondiale sans qu'on ait besoin d'intervention extraterrestre. Mais c'est sûr qu'il faut passer à l'action. Il y a des gens qui le font. Alors, et pas. C'est très bien comme mais ça. Mais Pierre-Charles, sur une base individuelle, tout le monde veut la paix. Et ce qu'on se demande, ce qu'on est en droit de se demander là, ce qu'on sent qui arrive, c'est qu'on n'est pas maître de notre destinée en tant que peuple. On sent bien qu'on est manipulé, si ce n'est pas une échelle provinciale, fédérale. On ne sent pas que les actions de nos dirigeants vont sont en lien avec les actions que même un Américain moyen, je ne pense pas qu'il est d'accord avec envoyer ses enfants à la guerre et pas les voir revenir. En principe, je pense que l'humain veut la paix. Maintenant, est-ce qu'on est en mesure même d'influencer cette société militaro-industrielle dont on parlait tout à l'heure? Ou est-ce qu'il faut espérer une intervention plus grosse ou quelque chose? Est-ce bon, qu'il va tout falloir descendre dans la rue? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la loi de non-intervention existe en fait dans l'univers. Sauf qu'il y a aussi la loi qui est très très semblable, qui est la loi d'équilibre. Et quand les forces de l'ombre agissent, quand les forces des ténèbres agissent, la force noire, the dark side of the force, qui agissent dans un monde qui réprime et qui empêche totalement la possibilité à la lumière d'agir, ils ont le droit de rétablir l'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle on s'en allait dans un cul-de-sac avec les bombes atomiques, avec d'autres inventions dont on entendra parler un jour. On se dit, wow, il était temps qu'il y ait de la vapeur qui prenne l'autre direction parce que sans ça, on y passait tous. On y aurait passé tous. Et d'ailleurs, Fukushima, ce n'est que la pointe d'un iceberg très terrible qui s'en venait sur Terre. Fukushima, qui perd de la radioactivité continuellement, c'est extrêmement nocif. On le sait, tout le monde le dit. On n'en parle plus. C'est la loi du silence. On est sur la planète Terre. Il faut taire l'information. Mais les faits sont là quand même. BP qui a eu son désastre dans le golfe du Mexique. Il y aura d'autres désastres. Avez-vous remarqué qu'au Québec, on a réussi à tout arrêter la propagation de ces hémorragies de pétrole qui passeraient par le Québec? Pour l'instant. Puis le gaz de schiste, arrêter ça aussi. Maintenant, on a des contacts avec des Amérindiens, dont vous allez sans doute entendre parler prochainement. Et on va apprendre qu'il y a des choses assez graves qui sont en train de se régler entre les Chinois et des Indiens d'Amérique, qu'on appelle les Amérindiens. Et ils jouent sur la corde raciale. Et ils jouent sur la corde raciale, justement, parce que les Amérindiens ont dit qu'ils sont passés par le détroit de Bering et qu'ils viennent d'Asie et qu'ils sont d'origine asiatique et qu'ils ont un lien racial avec les Chinois. Et des terres qui leur appartiennent ici au Québec sont en train d'être gérées avec des groupes amérindiens, inuits, pour faire des ententes avec les Chinois directement, en disant « Vous êtes chez nous, c'est nos terres à nous ancestrales, et on va vous donner des autorisations parce que vous, les Asiatiques, et nous, nous sommes d'origine asiatique au départ, on est passé par la terre de Bering, l'Alaska, il y a très très longtemps. Il y a une similitude. Oui, ça c'est des choses qui ne sont pas dites nulle part. Là. L'information que je viens de vous donner, trouvez-la quelque part dans un journal, un magazine, vous n'en trouverez pas. Et pourtant, dans quelques mois, tout le monde va en parler. Je vais checker sur les internets. Ben, checkera ça. Alors tiens, si je retourne à ma page d'accueil du site d'ésotérisme expérimental, en bas des 5 tuiles, il se trouve à y avoir, comme avant, les 3 colonnes. À gauche, l'école Jedi, les dossiers, etc., les statistiques. Et à droite, le club créé. Juste en dessous, vous le voyez, formulaire d'abonnement, en dessous des 5 tuiles, le formulaire d'abonnement au club créé. C'est plus important que vous pensez de vous abonner au club créé. Ce n'est pas simplement pour nous de nous apporter une sécurité financière qui nous permet évidemment de faire le site, de transmettre des informations, mais c'est surtout à cause des informations qu'on transmet. On le sait, les seuls à savoir sur Internet les choses qu'on transmet ici. Et on va garder le contact avec des gens qui sont intéressés. On ne forcera personne. Ce qu'on se dit présentement, ce n'est que la surface des choses. Je vous le dis, d'aller en profondeur, c'est autre chose que de s'intéresser à la surface des affaires. Les gens vont vite, ils regardent vite dans les vitrines. Ah, puis ça, ça les intéresse, mais la trame de tout ça est quelque chose qui a des fondations, qui a des fondements, qui a une garantie en arrière de ça qui est solide et qui nous permet
d'avoir la joie de vivre malgré tout ce qui peut arriver. Je finis toujours mes émissions de radio en disant on a tout autour de soi pour être heureux ici maintenant. Et ce sera la formule que j'utiliserai, que j'utilisais d'ailleurs au début des émissions d'ésotérisme expérimental, il y a longtemps, là, en 76, 80. Là. Alors, pas tout de suite, alors on regarde les trois colonnes encore. Alors, si je tourne, alors on voit à droite UFO 401, et il y a des éléments dans le congrès UFO 401 qui arrivent là, maintenant. Là. Alors, au début de l'année 2015, puisqu'on prépare un UFO 501, c'est-à-dire pour l'année de 2015, et pour le congrès UFO 501, c'est bien évident qu'il faudrait que j'aie fini de mettre ce qui a été promis dans UFO 401. Il y a déjà des entrevues, il y a déjà des choses qui ont été enregistrées, sont prêtes, ils vont être déposés au début de l'année 2015. Et il y a des entrevues exceptionnelles, parce qu'à l'époque de UFO 401, j'avais des objectifs précis avec des invités précis, dont un dont j'ai parlé avec Bob, Chris Rutkowski de l'Ouest canadien, qui a refusé de venir au congrès. Je lui avais expliqué la trame, le leitmotiv de mon congrès UFO 401. Oui, il reste dans les prairies, oui, Winnipeg, oui, c'est plus au milieu, mais c'est dans l'ouest par rapport à nous, là. Et là, quand il a su que la question, la killing question, la question qui tue, c'était, croyez-vous pas, vous, les ufologues, que le phénomène extraterrestre n'est pas simplement cosmique, outer space, mais qui vient de l'intérieur d'ici, tout près, et ce sont des sociétés de civilisation très, 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 très anciennes, mais très, très organisées, qui vivent à l'intérieur, à l'abri, et qui ont toujours gardé l'œil sur les humains de la surface. Le troupeau de moutons, c'est nous autres. Et ces êtres-là, en dedans, ont besoin d'avoir un contrôle sur nous autres à l'extérieur, surtout quand on commence à jouer avec des bombes atomiques dans des explosions souterraines qui fracturent les corps terrestres. C'est le toit de leur maison. Et tout ça dérange. Et là, il y a des interventions qui sont faites depuis les explosions nucléaires, évidemment. Et quand on ouvre des... Quand tu lui as dit ça, il n'a pas aimé ça. Il a refusé à ce moment-là. Il a dit, moi, je n'embarque pas dans ça, M. Glenn. Je ne suis pas intéressé. Je m'excuse. On va oublier ça. Pourquoi tu parles? On sait que... Toi, je le sais, Pierre-Charles Dubreuil, tu connais là, l'histoire de Shaver? Richard Shaver, oui, la Terre creuse. Bon, ben, fais-en donc deux secondes. Qu'est-ce qui est arrivé à Richard Shaver? Attends une minute, là, lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, ben, Albert Bender, qui avait son livre Three Men, hein, UFOs and Three Men, les trois hommes en noir qui sont venus le rencontrer, parce qu'il avait dit, dans le prochain magazine, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire que les ufologues ne mentionnent pas, et c'est la vérité sur le phénomène extraterrestre. Et il a écrit son livre, et à la fin du livre, il dit, maintenant, suivez Shaver. Il a tout compris, lui aussi. Et qu'est-ce qu'a fait Shaver? Shaver était à la tête du magazine Amazing Stories. Et le magazine Amazing Stories était vendu à des milliers d'exemplaires aux États-Unis, à travers tous les États-Unis. Avant Internet, là, tout le monde était branché sur les magazines Amazing Stories. Et qu'est-ce que ça disait? Ça disait qu'il y avait une force très puissante qui dirigeait par en dessous, en coulisses, les gouvernements des autorités du monde. Alors, c'est incroyable. Et tout ça provenait de l'intérieur de la Terre. Alors, suivez Shaver. Et j'ai connu un Jimmy Gieu qui était convaincu de la chose, qui est venu m'expliquer plein de choses. Il me disait, Richard, c'est là qu'il faut regarder. C'est là que ça se passe. Et c'est pas dans les confins de l'univers que les choses se passent. Quoique le confin de l'univers, ça existe aussi. Et ça, ça va faire partie de la rencontre numéro 2 à la radio entre... Pierre-Charles Dubreuil et moi-même, on a fait deux épisodes, comme je vous disais, un sur les malveillants et un sur les bienveillants. Alors, j'ai comparé tout ça avec le petit chaperon rouge, vous vous souvenez, si vous avez écouté l'émission. Je vous recommande d'aller écouter l'émission que j'ai faite avec Bob ou l'émission que j'ai faite avec Pierre-Charles Dubreuil en deux parties. Et surtout, 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 allez voir le complément surprenant sur le dossier. Qui est très bon. Qui est... Mais il faut le lire, il ne faut pas juste le scroller et dire « Ah oui, je sais ça, ah oui, je sais ça, ah oui, je sais ça. » Non, non, prenez le temps de lire ce qui est écrit, là, ce que Gilles Surprenant a placé. C'est des phrases clés, c'est de l'information très puissante. Et ça, ça va nous... Il y a du raisonnement, c'est pas effectivement juste de l'information,
Il y a de la cogitation là-dedans, là. C'est très bon. Ben voilà, c'est ça. Alors, je voudrais pas qu'on... Ah oui, alors regarde, si je continue à tourner mes pages, en dessous de UFO 401, il y a ESO TV Science. Alors Gilles, au cours de l'année 2015, va rajouter un peu plus d'informations concernant les films au cinéma. Puis il va peut-être laisser tomber un peu plus le côté télévisuel des émissions de séries qui reviennent régulièrement. Là, ça va être plus des émissions spéciales, insolites, ufologiques et tout ça à la télévision et les films au cinéma qui ont de l'impact dans le domaine d'une démarche qu'on pourrait faire. Il y en a des bons qui s'en viennent. Best of, ben là, vous le voyez avec des portraits, c'est quand quelqu'un arrive sur le site d'ésotérisme expérimental, ce que je lui recommande d'aller voir, ben c'est la section Best of. Ça lui donne une idée... Les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs, c'est ça. Ensuite, les archives vidéo. Alors, il y avait les archives d'Alliance Pure, il y avait les archives accumulées par ésotérisme expérimental. Alors, avec mon curseur, on va le voir. C'est parce que j'ai pas de pad. Et puis là, bon, voilà. Et puis la couleur change, vous le voyez. Alors, les best-of juste avant, la couleur change. Aleph a fait un excellent travail. Et là, ensuite, ben, vous avez le lien pour aller chez Bob. Vous avez le lien pour aller voir l'horaire. C'est le site des soupers expérientiels avec Louise Dion. Ça fonctionne très, très, très bien. Et il y a des rencontres très intéressantes qui se font dans ces soupers-là parce qu'ils savent que ce n'est pas filmé, ce n'est pas photographié. Les gens qui veulent se rencontrer, échanger sur des expériences, les expérienceurs, ça s'appelle les soupers expérientiels, c'est pas pour rien, c'est expérienceurs. Donc, c'est des choses vécues sans avoir de preuves de laboratoire, c'est pas expérimental. Conscience du peuple. Il y a Christian Robert Page aussi qui recommence à faire des soupers de ce style-là. Oui, c'est ça, ben oui. Ben, il y a des gens qui prennent la recette de Glenn. C'est la recette idéale, celle qu'on a présentement. Et on va voir beaucoup de gens qui vont se rapprocher de notre méthode. Moi, je faisais beaucoup de vidéos. Bob est rendu qu'il va faire maintenant des vidéos lui aussi. Je fais maintenant de la radio on air, comme on dit. Et ça nous permet aussi d'avoir en ondes, oui, et qui permettent d'avoir une démarche encore plus précise. Ensuite, conscience du peuple, que je maintiens parce que Isabelle fait un excellent travail, même si c'est très démoralisant, même pour elle. Là. Écoute, Isabelle, si tu étais une chirurgienne dans un hôpital où il y a beaucoup de malades dans notre société, où il y a des accidentés de l'autoroute, des gens qui arrivent éclopés, mais tu serais chirurgienne, ça serait déprimant à la longue de voir que c'est toujours à réparer du monde qui ont eu des accidents. Mais ton travail est indispensable, je pense. Et le travail que tu fais est fait d'une manière très sérieuse. Et un jour, il faudra qu'on se reparle. J'aimerais beaucoup qu'on ait un contact avec notre vidéorendien, tu sais, bon samedi soir, où on se parle en Skype, ou sans le Skype, au moins au téléphone. Il y a aussi Mass en France, qui a un site sur le phénomène ufologique. Qui Massé. Est Massé. Massé. Oui, c'est ça. C'est celui-là qui est juste là, qui est excellent. Vous allez voir des images, des reconstitutions, des dossiers qu'on ne voit pas partout. C'est très intéressant. Et les informations générales pour le site d'ésotérisme expérimental, c'est tout écrit ici. Les abonnements d'un mois, trois mois, six mois ou un an. Puis avec un an, ben vous savez, quand vous êtes abonné au Club Créé, ça vous coûte 10$ venir aux conférences au lieu de 25$ par personne. Et ça vous amène de l'information à tous les mois. Ça ne sera pas long qu'on va se quitter dans notre émission de Noël. Avant qu'on se quitte, Pierre-Charles, oui, Pierre-Charles, toi, as-tu quelque chose à ajouter? Après ça, je vais donner la parole à Jean-François. Et à la toute fin, notre Geneviève va aller en haut. Pourquoi? Toutes les installations sont faites. Oui, parce qu'il faudrait que vous parliez plus longtemps. C'est là qu'il faudrait que je m'en aille, parce que la guitare est toute désaccordée, probablement. Bien, on va te donner le temps de l'arranger. Vous savez, Geneviève, c'est du signe de la Vierge. Hein. Ça, c'est les méticuleux, pointilleux, oui, perfectionnistes. Oui, puis en passant, moi, je ne m'entendais pas jouer. Je sais que ce n'était pas sur la coche tantôt. J'avais pas. Le son s'en allait directement en bas. Je ne sais pas ce que ça s'en allait. C'est correct. J'espère que vous pouvez quand même aimer là, pour Noël. Là. Je vais le forcer pour vous autres. Tu avais-vous entendu? Oui. Ouais. Mais fais attention de ne pas pratiquer ou réaccorder pendant qu'on parle, mais attention. Moi, ça, pour terminer, toujours en étant... Pour terminer, Pierre-Charles, oui, vas-y. Tout le temps dans l'approche, comme je dis, d'hypothèse. Il y a un nouveau livre qui est sorti en 2014, c'est tout récent, et c'est
introuvable en librairie. Il faut absolument le commander par l'Internet. C'est le livre de Mauro Biglino, La Bible, comme vous ne l'avez jamais lu, Les dieux sont-ils venus des étoiles? Et dans ce livre-là, naturellement, il fait beaucoup référence à la Bible, c'est évident, les écrits hébreux traduits littéralement, et il fait un lien avec les Sumériens et les écrits de Zecharias Sitchin et les Anunnaki. Alors, je le recommande vraiment, c'est un livre très intéressant, mais encore là, comme je vous dis, avec du recul, là, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est un document très intéressant à découvrir. Et puis, pour terminer, pour la nouvelle année, comme je disais tantôt, la meilleure chose à faire, vraiment, c'est de pas écouter les gens qui vous disent qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on peut rien faire contre le système. Au contraire, c'est en sortant, en posant des gestes, et quand tu parles tantôt qu'on a évité le gaz de schiste, c'est sûrement à cause des manifestations des gens qui se sont prononcés comme à Kakuna. Alors, c'est vraiment, il faut passer à l'action et ne pas croire ceux qui nous disent qu'on a aucun pouvoir. On a tous les pouvoirs. Il y a aussi une circonstance politico-mondiale que je suis pas spécialiste, là, mais le prix du pétrole a tellement chuté que ça devient plus pratique de ça devient plus économiquement viable d'exploiter du gaz de schiste. Il y a eu un rapport avec ça aussi, là, puis ça a chuté en Alberta, en Russie, partout, à tous ceux qui dépendaient de ça. Alors, le schiste étant dur à exploiter, ils ont rapidement vu que, pour l'instant, ça ne valait pas la peine. Il y a ça aussi. C'est pas juste ça. Là. Ça a été une belle réflexion de la part de Pierre Charles de dire que, justement, les gens, quand le petit peuple se lève depuis Copenhague, on sait que ils ont eu 2 ans, les autorités du monde, pour agir selon un certain agenda. Et comme les choses ne se sont pas produites, bon, ben, ils ont décidé de remettre la balle dans la main du petit peuple. Et ça va fonctionner. Et ça va très bien fonctionner, malgré qu'il va y avoir des douleurs parce que les autorités ne veulent pas perdre le morceau. On leur a promis tellement de choses, des gadgets, des cadeaux. À l'époque de Noël, ces cadeaux-là, c'est de la bébelle. Quelle que soit la dimension, l'importance de la bébelle, ce n'est que de la bébelle. Pensez-vous qu'on est plus heureux aujourd'hui qu'on pouvait l'être il y a 50 ans, 100 ans, alors qu'on n'avait pas tous les gadgets qu'on a aujourd'hui? Être heureux, c'est pas de posséder des biens, parce que quand on possède un bien, on se fait posséder aussi. Alors, c'est un choix de valeur dans notre société. Je vous dis, les plus beaux cadeaux, c'est les rapprochements des êtres humains à l'époque de Noël. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Alors, Jean-François, à toi aussi la parole avant qu'on entende Geneviève. Moi, je dis tout au fur et à mesure. Je passerai la parole, la POC, comme ils disent dans le Canadien, à notre chère Geneviève, qu'elle fasse un petit morceau de fin d'émission. Merci beaucoup, Richard. Et monsieur Pierre-Charles. Merci. Alors, on donne la parole. C'est maintenant à Geneviève de jouer la musique, et puis c'est elle qui s'est pratiquée depuis un mois pour vous présenter cette petite musique. Vas-y, Geneviève. De la guitare, d'ailleurs, mais Joyeux Noël à tous de la part de toute l'équipe, de Jean-François, de Pierre-Charles, de Denis, de Louis, d'Alain, d'Alex, de Geneviève, Gilles. Et puis de tous les autres. Que vous retrouvez sur la page d'accueil de notre site. On a mis les principaux, ceux qui ont aidé. Il y en a même d'autres là, qui ne sont pas écrits, mais ceux qui sont les principaux que je regarde, Gilles, évidemment, notre Gilles national. Hein? Et puis ensuite, Jojo, Clément, Carole, Alain, Donald, Roger, Stéphane, Micheline, Joanne, Ronald. Alors, la semaine prochaine, un party du jour de l'an avec toute l'équipe que vous allez retrouver, tous ceux que je viens de nommer vont tous être là, ça promet. À toi, Geneviève. Full guitar. Christmas, but
De droit, est-ce que quelqu'un entend quelque chose encore? Le Charles? Moi, je t'entends. J'entends plus Geneviève. Hey, merci beaucoup tout le monde. Joyeux Noël. Mais je peux pas peser sur le bouton d'arrêter l'émission. T'entends la musique, Père Charles? C'est terminé.